Et y'a plein, bienvenue sur stream. Alors, pour ce soir, découverte de Deus Legacy. Alors, Deus Legacy, c'est un jeu qui est plutôt original en fait. C'est du jeu de stratégie, un peu city builder, et qui se joue avec des dés en fait. En gros, il va falloir placer les dés. Les dés, c'est des ressources un peu comme des personnages en fait, qu'on va pouvoir attribuer à différents bâtiments pour, j'imagine, pour créer des chaînes entre les structures. Alors, on va voir comment ça se passe. En tout cas, c'est vraiment original donc. J'avoue que j'étais plutôt intrigué. Alors, ok, donc différents scénarios qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc on commence à échouer. Nous sommes arrivés sur les côtes d'un continent inconnu. Nous devons guider notre peuple et découvrir ce qui nous attend. Alors, nouvelle partie. Donc le roi a échoué. Un des moules qui survivants du naufrage est pourtant le seul à porter une couronne sur la tête. Quand le peuple se tourna vers lui, il le guida. Il servit de lui en roi. Ok, donc au départ on a quoi? 5 bouffes, 4 bois, 2 pierres, peut-être. Donc là c'est les 7 dés de départ. Paysan, 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 paysan. D'accord, donc on a que les paysans au début. Ok. Alors difficulté, 1, 2, 3, 4, donc 5 difficultés différentes, ça c'est cool. On va prendre le didacticien, là, évidemment. D'accord, donc en pacifiste, personne n'attaque. D'accord, donc en fait, le jeu était pensé à la base en original, mais ils te mettent en standard. Bah allez. Un jeu bien particulier se déroule dans un monde où les hivers sont rudes, les dangers nombreux et les mystères en abondance. Expérimenté, persévère, relevez le défi. Alors sachant que le jeu sort officiellement demain, donc il y aura peut-être des, y a peut-être encore des petites mises à jour et tout qui ont pas été terminées. Alors, alt-clic, verrouiller un dé. Lancer un dé. Alors, les dés sont vos ouvriers. Chaque dé appartient à une classe indiquée par sa couleur. La phase d'un dé orientée vers le haut indique l'action qu'il peut réaliser. Sur barre d'espace pour lancer tous les dés dans la réserve. Lancer un dé réduit sa durabilité. Si la durabilité d'un dé tombe en dessous de 0, le dé périt. Appuyez sur Alt-clic gauche pour verrouiller un dé et éviter qu'il soit lancé. Ah. Ok. Chambre. Voilà la deuxième surprise. Ok. On avait le pic de la montagne. Alors. Ok, donc en fait on peut pas bouger, on peut juste faire au bas apparemment. Donc là c'est ressources, donc nourriture, bois, pierre, or, fer, blé, pierre, herbe, ok. Donc là c'est mon nombre de dés hein, apparemment. C'est Riemann. Ok, donc on peut avoir 12 dés au maximum de la réserve. Ok, les paysans, donc ils sont contents pour l'instant, tout va bien. Donc là on peut mettre la pause, ça qu'à la limite je pourrais presque mettre la pause, le temps de faire un peu l'interface. Alors, aïe, mais en fait il y a les petites icônes en gros. Ok.
Alors, un terrain de chasse ici qui fait de la nourriture. Peut-être les villes. Bah, tu vois, là, c'est les villes les détruits. Peut-être nourriture. Et il faut que l'on voit quelqu'un maintenant ou pas? Ok, donc là, il y a quelqu'un qui veut aller récupérer la nourriture, c'est ça l'idée? Là, ça va être du bois. Ici, c'est quoi? Auberge. Ressort de rébuter en dé en utilisant la nourriture. On peut construire ça. Alors, les lieux sont générés au début de chaque partie. Les dés peuvent être utilisés sur un lieu pour obtenir des ressources, mais ça réduit la durabilité d'un lieu. Sa durabilité d'un lieu tourne à 0, le lieu est détruit. Donc à chaque fois que je mets un dé dans un truc, ça va. Ah là, ok, 22 ici, 21 là, 36 là, d'accord. Donc là, si je fais ça, il va y aller, et au bout de 40 secondes, il va me générer une unité de bois, c'est bien compris. Ok, donc là c'est bon, ils ont créé l'auberge. Ouais, donc là si je mets un dé dedans, la durabilité va remonter du dé. Du bois, là c'est quoi? Nourriture par ici, là c'est quoi ça? De l'or ici? Mais les constructions permettent de construire de nouveaux bâtiments. Le bâtiment requiert différentes ressources de se trouver sur le territoire du joueur. Un bâtiment doit être débloqué dans l'arbre technologique avant de pouvoir être construit, et le bâtiment peut être démoli pour récupérer une partie des ressources. Ok. Ok. Donc ça, c'est les différentes phases du dé en fait. Là, si je fais ça, ça va relancer. Merde, t'as tout relancé. Je pensais que j'allais pouvoir en bloquer. C'est pas grave. Collecte d'herbes. Pas, hein. Par contre, espèce de navigateur, je vois pas à quoi il sert. Objectif, construire une maison. Ah, d'accord, pardon. J'ai même pas vu l'objectif. Maison, il faut quoi? Il faut 6 bois. Bah ouais, complètement. On peut mettre où on veut en fait. Ah, par contre, il faut 2 de construction. Et ça produit un nouveau dé de paysan. De paysan, d'accord. Donc là, genre, on peut relancer les dés. Hop. Ok, ça, je peux verrouiller. Les autres, je m'en fous, donc je peux relancer.
Ah, technologie. C'est quoi technologie? C'est un arbre, d'accord. Un arbre qui va se déverrouiller au fur et à mesure, j'imagine. Ça va rechercher de nouvelles technologies, ok. Guérir tous les dégelés dans la réserve. Les dégelés perdent 3 points de vie. Okay. Alors, construire un champ de blé, construire un moulin, construire une régie de district. Alors, les lieux de bâtiment peuvent avoir différentes conditions de ressources, de dés et de phase de classe. La puissance utilisée. Donc, ça accepte uniquement ça. Ok. N'importe quel. Ah, ok. N'importe quel paysan. La puissance de face. Ok. N'importe quelle classe de dés accepte une ressource. Ah, ok. D'accord. Donc, là, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait des bâtiments. Pour générer un paysan, il faut que je mette deux paysans dedans. Ok. Du coup, ça me crée un nouveau dé, très bien. Alors, construire un champ de blé. Il me faut deux bois, donc je peux le faire. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment que je... Est-ce qu'il faut un petit peu comme dans Settlers que les trucs ils soient pas loin ou pas? Ah, pour le moulin, il me faut de la pierre. Il me faut de la pierre et du bois. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc le bois, on va le récupérer un petit peu. Et là, il y a quoi? C'est du bois aussi. Bah allez, vas-y. Donc en fait, chaque tour de jeu, on peut utiliser toutes les tous les dés. Ok. Le bonheur d'une classe de dés a changé. Alors, l'action peut influencer le bonheur des classes de dés de diverses manières. Lorsqu'une classe de dés est ravie, elle confère un puissant effet positif. Classe de dés en colère, elle confère un effet négatif dangereux. Ok. Obtenir ou perdre des dés, promulguer au fil des lois, installer des régies districts, construire ou perdre des bâtiments. D'accord. Alors, les pays de société sont capables de faire un peu de tout. Trouver un nouveau dépaysant dans la maison. Deux là pour le blé. Ce qui m'embête, c'est que j'ai aucune idée de d'où récupérer. Ah, bah si, là en fait. Ah, non, c'est de l'or. Où est-ce que je peux récupérer de la pierre? Nourriture, là, bois. Ah, et heureux! Là, c'est de l'or. Ah non, en fait, d'accord, il récupère de la pierre, il y a de la chance d'avoir de l'or. Ok. Ok. Tiens, voilà, toi, au pire. Pour le moulin, il me faut plein de pierres, il me faut plein de bois également. Bah, du coup. Allez collecter du bois. La nourriture, j'en ai 7.
Il manque encore un peu de bois là pour Ah, c'est nul ça. Ouais. Là, je vais aller. Alors, ça. Il faut produire, là, donc on va. Bon, ça pourrait être du blé, hein. De la nourriture, là. Et il manque encore en bois, hein, c'est ça. Ok. Et le blé, j'en ai pas. Que pendant l'été, mais on est pas en été là. Ah. Milieu de l'été, pourquoi ça m'a rien fait là? Et la régie de district, c'est quoi? C'est 6 bois qu'il faut. Ok, ça a augmenté le territoire. Ouais, donc c'est une sorte de settler avec des dés, hein, finalement. Ah mais d'accord, en fait il fallait attendre. Merde. Du coup, ils m'ont dit que j'aurais besoin de bois, donc au pire des cas, j'ai peut-être allé rechoper du bois. Quatre blés, il m'en fallait 8, c'est dommage. De la crème. Ouais, ce que je me dis, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu de bois d'avance que. Bon, pour l'instant, ils sont contents. Pour l'instant, je suis un peu perdu sur le jeu. Perdu, c'est un bien grand mot, mais.
Ok, donc ça sert vraiment à... Ah, si je fais ça, il n'y a pas beaucoup s'étendre le territoire. On va remettre ça alors. Alors, l'efficacité détermine la vitesse de fonctionnement des bâtiments et des lieux. Les relais districts fournissent un bonus d'efficacité à chaque bâtiment ou lieu proche. L'hôtel des villes fournit aussi un bonus d'efficacité à proximité. Ok. Vous pouvez interagir uniquement avec les lieux et les bâtiments à l'intérieur de votre territoire. Vous pouvez agrandir votre territoire avec des règles des districts. Ouais. Terminer sa recette étendre territoire. Ah. Du coup, je vais mettre voilà. C'est la nourriture, ouais. Ça peut être pas mal aussi en vrai. Le truc, c'est que je pense que ça sert à rien de toute façon. C'est que pendant l'été, donc là on est en quoi? On est en la fin de l'été, donc c'est un peu tard de toute façon. Et pour en vrai, je peux relancer tout ça. Hein. Ah. Alors le conseil propose une nouvelle loi pour votre colonie. Certes, les champs de blé dans les districts de paysans produisent aussi en hiver. Oh, c'est bon ça. Moisson liquide au début de chaque saison octroie 2 blés pour chaque champ de blé dans les districts de paysans. Allez. C'est ça, l'hiver vient. Ouais. À chaque saison, le conseil se réunit pour demander de prévenir les différentes classes de dés proposant diverses lois. Les lois ont un effet puissant et qui peuvent changer le cours de la partie. Et dans son bonheur, mais réduit celle des les lois ont été rejetées. Ouais. Bon, attends, pour l'instant, j'ai que des classes paysans. Donc, voilà, donc là, ils sont super contents, quoi. Et bah, du coup. Alors, l'hiver est arrivé. Les utilisés en hiver risquent de geler. Plus il fait froid, plus le risque est élevé. De plus, les champs de blé cessent de produire en hiver. Les générateurs de vapeur alimentés peuvent empêcher les dés utilisés à leur portée de geler. Ah ouais. Ah, mais ça, ils m'ont parlé à un moment de générateur de machin. Là. Et construire un générateur de vapeur. Ah, mais il me faut une ressource que je n'ai absolument pas. Il me faut du fer. Et ouais. Ah, il y a une mine de fer ici. Mais elle est complètement pas dans ma... Au temple ou à la taverne. Ah, mais taverne, c'est pareil, j'en ai pas non plus, quoi. Temple, j'ai pas, et religion, ouais, bah, le temps, je peux pas encore. Hein, okay. Ok. C'est marrant, ça. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment Settlers avec des dés, hein, clairement. C'est. Et finalement, ici, ça permet de convertir des paysans en des de citoyens. Il est où le lieu que je l'ai? Ah, c'est super. Non, mais après, je pense que c'est pas si dur que ça, mais c'est juste le début qui est. Comme tous les jeux du genre, c'est. Ah, il faut l'exploration pour. Ok.
Non, mais je pense que c'est vraiment, enfin... Bah après, on peut faire des avances rapides, hein, si besoin. En fait, le seul truc que je comprends pas trop actuellement, c'est ce qui peut faire qu'on va perdre, en fait. Tiens, on va les perdre au fur et à mesure, si jamais on peut pas les soigner. Ok, donc là j'en ai eu un nouveau, c'est cool. Hop là. Alors là, ce qui est cool, c'est que là j'ai un dé d'exploration. Donc hop. Donc lui, normalement, une fois qu'il aura fini ça, il va étendre ma frontière qui est là-haut. Ouais, c'est là qu'il faut bien que je regarde aussi les trucs. Je sais pas trop ce que c'est le principe du cylindre, c'est juste toi que le monde il est comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt ou pas. Alors, vous êtes trop un campement. Votre parfait campement avec lesquels établir des relations. Intérêt avec un campement influencera votre relation avec lui de diverses manières. Une bonne relation apportera des bénéfices. Une relation hostile sèmera le trouble dans votre royaume. Vous pouvez interagir avec les campements en construisant différents avant-postes à leur portée. Ok. C'est quoi, c'est ça les campements, ouais? Mais je peux y aller alors qu'il est en dehors de ma limite. Ruine antique. Oh, classe. Tu as pas du territoire? Alors je vais en perdre si je me fais attaquer, je pense. Hein. Sinon, je pense pas qu'il y ait trop de raisons que j'en perde. Donc je pourrais être pote avec eux. A priori. Donc là, il y a une mine de fer, parce que on se rappelle, hein, le but c'était quand même de construire un générateur de vapeur, mais il faut 5 fers. Hein. Ok. Nous avons envahi par la végétation, les murs peuvent servir sans l'eau, mais les matériaux précieux sont à l'intérieur. Chance de succès moyenne. Allez, vas-y. Ah merde. Un de vos dés est blessé. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les blessés périssent s'ils sont de nouveau blessés. Un dé peut être blessé en combat, soigné au temple chez l'apothicaire. Ok. Très bien, j'ai ni l'un ni l'autre. Pam pam pam. Hop. Ouais, lui est gelé, ouais.
Ouais, c'est lui qui est blessé, d'accord. Donc il a les petites traits autour. Ok. Quoi ça, t'es un chat, c'est vrai? Je vais prendre stun case inutile temporairement. Alors le gel ça bloque mes dés. Par exemple le dé là je peux plus l'utiliser. Si j'ai bien compris, je peux. Ne peut pas être lancé ou employé, voilà. Le dé là je peux rien faire tant qu'il est bloqué. Enfin tant qu'il est gelé. Les dés blessés et vexés, c'est ça? Chaque campagne a des dés qui disent non. Tiens, on ramène de la bouffe, toi. Quatre, il m'en faut 5, c'est ça que j'avais dit pour le générateur. Ah. Ouais, c'est quand il n'y a pas les bondés, c'est galère quand même. J'ai eu un d'or. Merde. Bon, j'ai un deuxième paysan qui est gelé. Zut. C'est moi ou mon écran est vachement gelé autour là? Il y a 30% de chance que les gens. Que les dégèlent. Ah ouais. Waouh. Ok, alors. Et du coup, ouais, c'est pas si gros. On va déjà faire ça pour toute la partie gauche. Ouais, il faut le construire encore, évidemment. Ça, c'est relou par contre quand il y a pas les bons trucs qui sortent, quoi. Ça peut me servir, ça aussi. C'était cool. Hein. J'attends qu'ils terminent ça pour pouvoir les envoyer dans de lui. Ah, il faut 3 bois pour l'allumer, d'accord. Ah, ça dure pendant 2 minutes. Ah ouais, c'est pas incroyable non plus, quoi. Ouais, j'aurais pas dû faire ça en vrai, mais. Encore chercher de la bouffe par là, des herbes, la pierre.
Genre, il était trop loin là-haut. Arnaque. Mais du coup, ça consomme 3 boîtes les 2 minutes, c'est compliqué quand même. On va créer un dernier dé, comme ça genre la réserve qui sera pleine. Et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, c'est la fin de l'hiver là, voilà. Ah mais si j'arrive à avoir deux marteaux, deux outils et deux engrenages, lancer une compétence quoi. Et par contre, ils prennent 3 points de durabilité, ce qui est quand même assez vénère. Donc voilà, donc là maintenant j'ai mon truc qui est full. Et ben, lançons les dés. Bon, déjà, je vais. Alors, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé l'avoir lui, mais. Faut que je le soigne. Alors. Et ben, c'est bon, hein, pour partir, on va faire des trucs. Mine de pierre ici. Pourquoi? Parce qu'il faut comme un. Mais c'est un acte que j'ai promu, j'ai. Ah, attends, dans les districts de paysans. Ah, mais attends, du coup, peut-être que c'est pas un district de paysans ici, en fait. Ah, c'est ça, d'accord, ok. L'hiver est terminé. Déjà fondu, le temps est plus clément, on passe notre premier hiver. Yeah! Ok, en fait, pour son district de paysans, il faut, voilà, il faut que je mette un dé et dehors. Alors, autre immédiatement, deux dés de paysans. Non, j'en ai déjà plein. Augmente durant les ressources récoltées dans tous les lieux du district de paysans, ouais. Une nourriture produite dans tous les lieux bâtiments. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Hop. Tac. Donc le blé, là, on va en faire. Donc
chasse une régie district de classe, mais il me faut dehors pour ça. Pour l'instant, je ne les ai pas. Et ça, en fait, faut les envoyer une première fois pour... D'accord. En fait, c'est écrit l'action que ça fait. Donc je pense que là, en gros, on a bêché. Maintenant, il faut que je renvoie pour semer. Et seulement après, on pourra récolter. Je suis à 12 sur 12. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment ouais. Ouais, convertir des paysans en des citoyens, restaurer du rituel interne, c'est en nourriture ce que j'ai. Ok, après production d'aqua, champ de blé, moulin. Le moulin, il faudrait qu'on le construise en vrai là. On va faire ça. Hein. On va attaquer le champ de blé, même si je suis pas sûr dans ce jeu, il y a une incidence de proximité des bâtiments. Hop. Somme d'élevage, atelier. Hôtel des impôts. Non! Apothicaire. Et taverne. Mais là, vraiment, générateur à vapeur, c'est compliqué, en fait, le fait qu'il faille les réalimenter souvent. Eh, mais des marchands, j'en ai pas. Je me sens pas endormi sur le truc là. Compétence de pari utilisée, c'est complètement con d'utiliser le truc alors qu'il n'y en a pas besoin. Ça n'a pas de sens. Bah vas-y. Donc du coup, faut qu'on construise le moulin quand même. Bah ouais, c'est quand même con quoi. Qu'on puisse l'utiliser, pourquoi pas, mais je veux pas l'idée que ça. Surtout qu'en plus ça abîme les dés quoi, parce qu'ils perdent. Non, c'est des gelés qui perdent 3 points. Mais bon, ça sert à rien quand même quoi. Hop, on va mettre un là. On va chercher de la bouffe, toi. Avec tout ce que j'ai envoyé tout à l'heure, j'ai pas chopé un seul or. Appuyez sur mage clé gauche sur l'emplacement pour tenter le placement auto. Ah. Ok. Là, je clique gauche, genre là, si je fais ça, il m'envoie un 8 d'un, ça. Ouais, ça peut être pas trop mal. Ah, et là, si je fais ça, bim, en nourriture. Ah, ça, c'est cool, par contre. Okay, très bonne feature.
Alors, il faut deux blés et il faut un truc de travaux, mais ça j'en ai pas. Ouais, j'ai toujours qu'un or. Hein. Vas-y. Hein. Alors, famille autorisée appelle à la Nkuni se fait attaquer par qui? Pourquoi? Ça me passe. Le palais Marsiou est apparu dans la brume, les déplace. Ah merde! Ouais, c'est pas cool ça. Ok. Elodie, qu'est-ce que je vais faire celui-là? Ah, il faut un combat. Ah putain, évidemment, pour une fois, j'ai pas de combat, quoi, mais sérieusement. Ok. Mais après, je sais pas trop si. Bon, je suis pas certain qu'on puisse. Je sais pas. Je suis l'objectif, hein, je sais pas. On peut faire les foufous. On va. Donc voilà, tac. Donc là-dessus, je vais avoir mes unités de blé, donc ça va valider ça, ça va valider ça. J'ai mes deux ors, donc bah nickel. Et bah. Hop. Bien. Ok, donc là, ça va se transformer en district de paysans. Alors, un district de classe a construit une régie de district améliorée en régie de district de classe, tout le bâtiment, et là. Affecte le bonheur à la classe D. Ouais, ok. Bon, attends, il doit être au top là, voilà. Ramenez-moi de la bouffe quand même. Je vais ramener des plantes aussi, parce que c'est un petit bout de temps que. Couper du bois également. 12, 11, 35, ok. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, le fumier. Je le vois. 20 secondes, ouais, j'aurais pas le temps. Allez, go. Tiens. J'ai plus que 5 de nourriture là, ah ouais. Galère. Hein.
Je suis un peu frustré que je puisse pas bouger la caméra gauche-droite. Alors, ok, donc maintenant construire une caserne, une école et un atelier. Ouais, je pense que pour voir les différents types de dés, j'ai. Alors, la caserne. On peut complètement la mettre. On va la mettre, je sais pas, là par exemple. Ok. Ok. Ah merde, des relous qui arrivent. Deux de combat. Putain, par contre, il risque de mourir, quoi. Ok, bien joué, mec. Source par là. En fait, je suis un peu con, j'ai montré le district ici. Attends. Les bâtiments liés aux alentours, mais aux alentours, genre, c'est que ça, les alentours. C'est que une case autour. Putain, c'est ça, c'est la loose. Et ça, du coup, le district, j'aurais dû le mettre là, parce que j'ai ma loi qui permet de semer en hiver, mais on s'y irait jamais, quoi. Bah, de toute façon, cela, je peux pas faire grand-chose avec, donc on va les roll. Allez. Bon, ça va faire ça, ou... Hop. Hop. Et quand c'est être pénible, les méchants là. Ouais, ça chie pour convertir les des soldats, des paysans en soldats, mais il me faut deux fers. Des sauvages armés jusqu'aux dents qui cherchent par tous les moyens à piller nos maisons. Ils ont dû à tout prix les empêcher de détruire un bâtiment. Ouais, mec, mais attends, t'es gentil, mais. Ouais, mince, il est mort. Bon, là, je me crée un dé de soldats. Ah, j'imagine que les dés de soldats, ils ont des phases différentes. On va voir ça. L'atelier. Ok, donc l'atelier produit du savoir. Alors, attends. Les phases en dé ont une puissance allant de 1 à 8. Ah, ok. La puissance d'influence sur l'état des recettes, si aucune erreur n'est indiquée, la puissance de la phase est de 1. Une phase a une puissance maximale de 4, défaussée peut avoir le double. D'accord. Ouais, après on peut crafter les dés en fait, hein, pour améliorer.
d'hommes forts qui défendent un temps et agrandissent un territoire. Ok. Donc il a souvent un double quiche. Et ça, je sais pas ce que c'est le feu. Ok. Eux, ils sont ouais, ça va, ils sont un peu contents. Ouais, donc en fait c'est ça, avoir plein de dés c'est cool, mais au bout d'un moment la nourriture c'est bien compliqué. L'atelier, ah ouais, donc l'atelier on a dit qu'il fallait que j'aille le construire. Hein. Et bah il peut construire lui, tiens. L'hiver est là déjà, putain, mais ça arrive trop vite. Alors et donc voilà, donc maintenant que j'ai les soldats, j'ai y a les soldats qui proposent des trucs aussi quoi. Ouais, mais les districts, putain, c'est compliqué quand même. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, vu que j'ai voté pour eux, eux, ils sont pas. Ouais, ça, ouais. Est-ce que bah ça on peut pas voir parce que j'ai pas assez. Il y a donc une école aussi, il faut que je construise du bois et de la pierre. Ah bah égo. Des pierres, ça. Ouais. Mine de pierre derrière aussi. Et puis, on va commencer à refaire du bois. Hein, parce que... Alors, vous pouvez dépenser du savoir dans l'art technologique pour débloquer des améliorations permanentes de nouveaux bâtiments. Ok. Trois études. Les études, j'ai pas de, j'ai aucun dé qui permet de faire ça. Ah mais en fait oui, il aurait fallu que je fasse l'école avant le truc quoi. Et pour l'instant en fait c'est les débiles quoi. Okay. Très bien. Je pourrais me recréer un dépaysant, en vrai, je suis en train de me dire. Déjà, je peux le soigner. Je me recréer un PU. Ouais, ou les petits dés. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il est pas dans le district. Donc, c'est bien ça. Hein. Le district, c'est vraiment juste autour du bâtiment, quoi. C'est quand même pas bien grand. Hein. Qu'est-ce que je me suis bloqué là? J'ai mon cerveau qui a freeze. J'ai mon cerveau qui a freeze. Donc on a dit qu'il me fallait l'école, mais pour l'école il me faut. Bah c'est bon, j'ai assez en fait. Ouais. Donc là il me faut des.
Il est en fume. Comment vas-tu? T'as un endroit pour choper de la bouffe? Ah si, là-haut. Là-haut, j'en ai encore. Hein. Je vais aller choper de la bouffe là-haut et... couper du bois, c'est... j'en ai plus beaucoup. Et ouais, je pense qu'il faut que je remette un autre... au paysan, un citoyen. Ah. Ah ben, mais oui, mais les mecs ils vont en slip dans la forêt, alors forcément ils sont gelés après quoi. Alors, vous êtes devenus des citoyens, très bien. Alors, habitants cultivés qui s'adonnent à la recherche de technologie, donc c'est eux qui peuvent fournir les bouquins. Les bâtiments pour faire grève. Ouais, alors les mecs, c'est les citoyens directs, ils font grève, quoi. Alors, c'est une sorte de Settlers avec des dés, on va dire. Voilà. Entrée résumée. Faites la pause. Donc, en gros... Ici, j'ai mon, j'ai ma réserve de dés, sachant que si c'est grisé, c'est que je les ai déjà joués pour plus ou moins le tour en cours. Pour utiliser les bâtiments, il va falloir que je les place dedans. Donc là, par exemple, si je veux les couper du bois ici, et bah, je prends un dé avec le même symbole, donc lui par exemple, hop, que je vais placer là, et dans 40 secondes, il va me générer quelques unités de bois. On peut jouer les dés qu'une seule fois. À chaque fois qu'on les joue, ils perdent un niveau. Ils s'épuisent un petit peu en fait. Pour remonter leur morale, il faut aller faire un petit tour à l'auberge. Donc des dés qui ne roulent pas. Si, si, parce qu'on les lance au début. À chaque vague, on va lancer les dés en fait. Et là, c'est un peu relou parce que ceux qui sont tout blancs, ils sont gelés en fait. C'est là, vu que c'est l'hiver, hein, quand ils sont en fait en hiver comme ça, ils ont 30% de chance de geler à la fin de chaque action. Sauf si ils font une action près d'un fourneau comme ça qui met de la chaleur. Et le truc, c'est que ça coûte la blinde à créer un fourneau. Et quand tu l'allumes, ça te coûte 3 bois et ça dure que 2 minutes quoi. Et le problème c'est quoi? Ça me coûte 5 5 fer et les fer j'en ai pas quoi. Donc voilà, donc là en gros comme ils sont la plupart sont utilisés au gelé, là je peux les relancer. Hop, tac, voilà. Et en fait, chaque face, oui pardon, et c'est ça le plus important en fait à expliquer, c'est qu'il y a différents types de dés en fait. Au début, j'ai que des dés oranges et les dés paysans. Donc les dés paysans, ils ont 6 faces différentes qui permettent de faire des travaux voilà, un peu divers. Voilà. On peut faire un petit peu de tout, quoi. On peut faire un peu d'exploration, un peu de baston, un peu de construction, pas mal de récolte, un petit peu d'ingénierie, on va dire. Voilà. Maintenant que j'ai créé ma caserne, je peux convertir des dés de paysans en dés de soldats. Donc pour ça je prends un dé de paysan, j'ajoute 2 fer, ça me crée un soldat. Et les soldats en fait ils ont 3 dés de bourrine, enfin 3 faces de bourrine dont une face costaud. La construction, les flambeaux, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et depuis que j'ai créé une école, je peux maintenant convertir mes paysans en citoyens. Et les citoyens, c'est pareil, ils ont des dés, ils ont des faces différentes également.
Donc sachant qu'avec l'atelier, en fait, je vais pouvoir, si je mets trois faces bouquins, et ça va me permettre de choper des points de savoir, et les points de savoir, ça me permet de débloquer différents trucs dans l'arbre technologique. Voilà. Le chiffre en dessous des dés, c'est leur nombre de points de vie, on va dire. Yotaz. C'est un nombre de points de vie. En gros, à chaque fois qu'on va utiliser un dé, il va perdre un de vie, en fait. Sauf la face où il y a la petite épée avec deux, ça veut dire que c'est une face plus puissante. Sachant qu'à terme, on va pouvoir crafter les faces, en fait. Bah tiens, c'est bien que t'as mis le torse là. Un peu comme en Dice Forge, hein, un jeu de société très sympa. En fait, par la suite, je sais plus ce que j'ai plus où j'ai vu ça, manipulation. Chambre d'amélioration, voilà. Ça permet de renforcer la face supérieure d'un dé, par exemple. Là, ici, on peut apparemment forger deux dés ensemble pour former un dé puissant, enfin, un dé façonné. Et là, on peut extraire 6 faces de 6 dés pour former un dé façonné. J'imagine pour créer des dés comme on veut. Honnêtement, pour l'instant, c'est bien cool, hein. Si, encore un dernier truc, c'est que donc au début on a des paysans, donc c'est assez facile. Parce qu'il faut gérer le moral un peu de tous les trucs en fait. Donc suivant les actions, ils vont être plus ou moins contents en fait. Et sachant qu'à la fin de chaque saison, on va pouvoir. Il y a le conseil qui se réunit. Donc il y a une personne de conseil par type de dé. Et il demande à chaque fois de voter entre différentes lois en fait. Voilà. Et quand tu votes pour une loi, bah évidemment, ceux qui sont directement concernés sont contents, les autres sont pas contents, quoi. Ouais, si je peux faire encore ça. Hop. Ok. Donc là, c'est le dernier objectif pour l'instant, améliorer 3 dés paysans en citoyen. Donc là, dans 23 secondes, il y aura un nouveau dé citoyen. Collecte, collecte, collecte. Ouais, bah, je vais choper du bois. Sachant que si jamais il y a des dés qui vous intéressent, vous pouvez les verrouiller en fait. Comme ça, une fois qu'il est verrouillé, si je relance le dé, ceux qui sont verrouillés ne rouleront pas, quoi. Ah, t'as pas ça. Bah, en même temps, il y a le September, ou je sais plus comment ils appellent ça, là, le truc qui est à moins 20%. Donc j'imagine que sur les grosses chaînes, ça doit pas mal défiler. Par des gens qui doivent filer plein d'argent pour rien, mais. Bien. Ah bah débouiller la chambre d'amélioration. Mais à mon avis, il va me falloir peut-être un peu de. Ah mais il faut le débrouiller dans l'arbre technologique, d'accord, ok. Du coup, donc là, l'idée, c'est d'avoir 3 bouquins pour pouvoir débloquer la chambre d'amélioration. Qui est ici. Bah j'ai râle. Hein. Ah lui je vais le verrouiller. Voilà. C'est mon dé de la bourrine, j'aime autant l'avoir de côté. De payer 6 affaires. Hein. Effectivement. Ah, ils peuvent aussi. Donc voilà, donc quand il y a un engrenage avec un petit 2, par exemple, c'est que c'est plus utile. Et en fait, ça dépend des cases. Quand c'est une case avec une petite croix, c'est influencé par le niveau de la face. Donc comme là, par exemple, si vous avez collecte avec collecte 2 ou collecte 3, bah, ça sera plus efficace. Par contre, il y a des phases où on s'en fout. Là, par exemple, s'il faut juste travaux, c'est tout.
Putain, mais là, je vais absolument avoir un bouquin, quoi. Donc, j'ai pas de bouquin, c'est un peu relou. Ok. Donc 1 minute 20 pour que ça me fasse le truc. Je vais aller. Donc voilà, donc là je l'ai mis ici. Avec les 3 études, ça va pouvoir me débloquer un point de savoir en fait. Et avec le point de savoir, je vais pouvoir débloquer la chambre d'amélioration. Qui à mon avis va me coûter la blinde en ressources, mais. Ah, il fallait que je crée un truc là-bas pour me rapprocher là. Dans quoi? C'était dans. La régie de district, c'est ça. Hein. 6 bois, je vais le faire. Je vais me mettre là. Et comme on compte depuis tout à l'heure, j'ai des petits marteaux et je les utilise pas. Bravo. Ah, ils sont gelés. Ok, donc là, je vais pas l'utiliser. Donc, hop. L'amélioration restaure aussi 3 de durabilité. Oh, c'est cool, ça. Alors, il me faut quoi comme ressources? 8 bois et 6 pierres. Très bien. Donc, j'ai plus assez de bois et j'ai pas assez de pierres. Ok, nickel. Nickel, nickel. Alors là, le problème, c'est que j'ai quasiment tous mes dés qui sont gelés, quoi. C'est un peu la misère. Ouais, je peux aussi avoir de la chatte et faire des rolls de l'incroyable. Alors le problème, c'est que rôle de l'incroyable, mais il faut que je les soigne quand même. Lui peut avoir quoi? Il peut avoir des trucs qui m'intéressent, forcément. Au pire, je vais le verrouiller. Des trucs qui perdent de durabilité. Ah, mais vas-y. Mais après, honnêtement, en hiver, j'ai des fourneaux de partout, mais ça coûte trop cher, quoi. Et à construire et à entretenir, quoi. Ok. Bah, nickel, ça. On a dit qu'il fallait combien? Non, j'ai dit que je voulais déjà, Régie, 6 bois. Heureusement, l'hiver est bientôt fini, là. Ah bah d'ailleurs, vu que c'est quasiment fini, il n'y a plus que 15% de chance que les dégèlent à la fin de leur action. Après, le problème des lois, je trouve, pour l'instant, c'est que c'est valable que pour le district aux alentours. Enfin, que pour les districts, et le truc, c'est que le district, c'est tout petit, quoi. Ok, donc là, la forêt, là, elle est finie.
Voilà, merci. Bah voilà, on est bien. Ah, alors qu'est-ce qu'il me propose? Battle obligatoire. Au début de chaque saison, on octroie 2 bois pour chaque forêt dans les districts de paysans. Au début de chaque saison, on octroie 1 serveur pour chaque district des citoyens. Mais de toute façon, j'ai pas de district des citoyens, donc. Donc là, je vais voter pour eux, donc les paysans vont être contents, par contre, les autres vont être pas contents. Enfin, moi, en tout cas. Mais là, j'ai même pas de forêt dans le district, quoi. Ok, alors après, donc on a dit j'ai assez maintenant. Et bah vas-y mec, hein, Et du coup il me faut deux petits marteaux que je n'ai évidemment plus. Essence trop facile. Ouais, on peut les semer. Hop, allez, c'est bon. Merde. Vous empêchez d'accéder à une maison. Bah ouais, mais attends, on va être défoncé, mon gars. Bim! Et voilà. Hop, du fer. De la bouffe. Allez, on est bien, on va attendre que tous les dés reviennent. Tea coffee most popular in France? Coffee, I guess, but I'm not sure. Sais pas ce qu'on pense le chat, thé ou café, qui c'est le plus populaire? Donc sachant que vous pouvez avoir que 12 dés maximum dans votre réserve. Ok, bah allez. Hein. Punch the nuts. Waiting one, it was like, it's just like, need to go inside with a coffee. C'est un petit peu lent, mais par contre, toi, tu peux avancer. T'as rapide et carrément très rapide, quoi. Donc, tu peux, un peu comme dans Settlers, dès que t'as un peu des temps morts, tu peux. Tu peux bourrer, quoi. S'il y a besoin. Qu'est-ce qui. Un, hein, quoi okay. Après, c'est aussi parce que voilà, toi, je suis toujours un peu en train de me demander ce que je dois construire. Bon, il me faut toujours du bois, hein, y a pas. Ah, mais j'ai pas de ressources. Ah, mais c'est la loose en vrai, là. Attends, toi, je vais hop, soigner. Boum. Ouf, hein. Allez, allez, ça met. Ah, il y a un méchant qui arrive. Un méchant.
Ah bien, le soldat a été blessé. Pas cool ça. Ouais, pas cool. Après, je peux pas. Ouais, après, je pourrais mettre en compte un des gosses pour aller parler avec eux, mais. Déjà, faut que je pense que ça, mais au niveau du soin. Ah, voilà, ça, c'est un petit cœur. Ouais, bon, on va en créer un petit cœur, je pense. On va essayer, en tout cas. Alors, du coup, on va... Bim, bim. Qu'est-ce que c'est, cette... On va attendre que les dés qui sont là reviennent. Ok, alors. Ça augmente l'efficacité aux alentours. Bah tiens, tant qu'à faire, je vais mettre un. Hop. Alors eux, on peut faire quoi? En dehors de notre territoire. Ah oui, parce qu'il faut que je mette l'exploration, j'ai oublié, pardon. Ça, faut construire et après, faut envoyer un mec pour explorer, pour. Bah, vraiment, encore une fois, hein, comme les settlers, hein, tu construis ta caverne et après, il va explorer, ça va t'agrandir ta zone de jeu. Et du coup, je pourrais faire du commerce avec eux après. Ok, donc voilà. Alors eux, il faut faire quoi maintenant? Le petit commandant une sorte de sac un peu dessus, on pense pas lui prendre ce qu'elle a. Pourquoi j'ai deux régies de district? Je l'ai foutu. Ah mais je suis en une... Oh là, qui j'ai construit deux fois le même bâtiment. Ok. J'ai oublié. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, un peu quand même, mais bon, tant pis. Ah, il est où? Bon, faut vraiment que je termine lui parce que. Bon, ça va de plus en plus se déblesser là, c'est pas cool. Ah bah tiens d'ailleurs, hop, on va les ramasser des herbes plus tard. Blessé, chier.
Du coup, hop. Tiens, t'amènes ça. On peut ramasser les armes, hein. C'est vu comme je suis défoncé. On va en avoir besoin. Vu que je peux pas faire de la bière pour l'instant, autant transformer ça en bouffe. Hein. Alors, ouais, évidemment, j'ai plus d'exploration. Il est où? Wow. Il faut deux combats, putain. Bah tant pis, hein. J'espère que je vais pas crever. Non. Juste voir si le dé il revient blessé ou pas, ou si elle soigne. S'il y a moyen d'en abuser ou pas de ça. Enfin, abuser. Encore? Ouais, mais les mecs. Allez, mais s'il te plaît, quoi. Mais non, mec. Ah, oh, c'est pas ça, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais faire un soldat et j'ai fait. J'ai fait un citoyen en plus, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Bon, bah. Oh là là, chier. Mine de ferme. Ah, je me suis entroué là. Ah, j'aurais dû le mettre là au moins, ça aurait viré la forêt. Hein. Ok, c'est bon. J'ai un nouveau combattant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Augmente de 1 le bois récolté dans la forêt. Augmente de nourriture collectée sur les terrains de chasse. Ça peut être pas mal ça en vrai. Quatre points de durabilité en plus, l'auberge. Ok, donc c'est ici, donc en gros là il faut. Ouais. Ok. Mais je pense que je vais prendre ça. Hein. Ouais, deux combats. Et j'ai pas deux combats évidemment.
Ah, Jean-Michel, il va juste arriver, il se fait fumer. Des bonnes ambiances. Chaîne de mémorisation, il faut quoi? Il faut du bois bloc et j'ai toujours pas de bois. Là. Est-ce que gâché, mais bon. Ça crée un paysan. Hein. Alors. Ouais, c'est bien ça. Hop, allez, on va te soigner, toi. Tac, tac. Nickel. Ok, donc là, voilà. Lui, il est soigné. Pas mis en seul savoir avec les verres, là, sérieusement. Ok. Comme des fous, les paysans. Niveau bouffe, je vais pas être super bien. Parce que là, il y a quoi? Il y a plus que 10 en bouffe ici. Et du bois, de la pierre. Ouais, il y a plein de. Il y a de la bouffe, mais c'est en dehors. Allez. Faut quoi? De l'or et de l'herbe. Et pas avec la tribu Io. C'est en 3 seulement. Ça, c'est cool d'avoir besoin que de 2 dés maintenant pour augmenter ça. On va voir ça. Le besoin. On va rechoper de la bouffe.
Après, ouais, si, il faut que je reconstruise une régie quelque part. Ouais, j'ai plus assez de points. Ouais, c'est ça, donc il est bien une phase 3 maintenant. Ok. Déverrouiller la forge. Oh. Ah, c'est un arbre technologique. Il faut 2 points là. Ça prend un petit moment là quand même. Oh putain, ils sont gelés aussi. En tout cas, j'aime bien, pour l'instant, ça rend cool. Hein. Ça fonctionne bien, quoi. Il n'y a que le pouvoir là qui se débloque automatiquement. Je suis pas un fan, non. Bon, elle s'est activée, mais ouais. Moins une phase de la combinaison doit être tirée pour activer la compétence de parry. Ah. Ah, ok, du coup, on peut verrouiller les dés pour avoir plus facilement ce qu'on veut. Intéressant, ça. Bah, du coup. Voilà, je vais valider ça. Et bah, c'est parti pour aller 30% là. Ah, maintenant. C'est une clé presse en fait que j'ai. Et celui, relax. Le jeu il sort demain. Ok, donc là tu as gelé aussi. Ouais, c'est vraiment compliqué quand même pour pas que les persos ils gèlent dans la forêt là. Enfin qu'ils gèlent en hiver, Ce 30%, c'est quand même énorme quand. Et le truc, comme je disais tout à l'heure, c'est que les fourneaux, bah déjà il faut mettre 3 de bois. Et ça dure ouais, 20 minutes, 2 minutes quoi. Donc, ça, c'est vraiment con, si lui était mieux placé, je pourrais me servir de mon cheval en hiver, quoi. Je me dirais, je pourrais peut-être recréer un champ. Ouais, c'était pas plus mal en fait de faire ça. Ouais.
Et je retrouve comment supprimer un truc. Je l'ai aussi, ok, très bien. Putain, mais non, mais au moins je peux jouer quand même ou vraiment tout m'aider et bon, je l'ai là. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais me le garder. Mais j'ai mes 2 points, t'as jamais pas vu. Il fait que je déverrouille la forge. Manipulation. Ah. Comment faire? Faut déjà que je déverrouille ça et seulement après je pourrais déverrouiller ça. Ah merde, c'est ici. Ah, oh, quel con, je viens de perdre un point pour rien. 12 bois, 6 pierres. Oh la vache. Ok. Non, de l'air, mais le truc c'est clair, j'en ai besoin aussi pour soigner mes persos. Ah mais si, mais attends, je peux aller... Voilà. Bah nickel. Hop, on se fait bouquin là. Là, on met ça. Et je peux me faire une récolte. Récolte de bois, par exemple. Ok, on est bon. J'ai 4 blés donc je vais pouvoir faire de la bouffe, ça c'est cool. C'est vraiment cool. On va attendre la fin de ça, même si, si en vrai les verres ils sont pas super importants pour ce que je vais faire pour l'instant. Et d'ailleurs, c'était quoi le truc pour. N'importe quel dé en dé de paysan. Ah, mais je peux pas le construire ça. Ça, j'ai vraiment un dé vert qui me sert pas. Sert pas énorme malheureusement. Après, c'est pas bien grave non plus. Il y a moyen d'avoir un... Allez, s'il te plaît.
Ok, c'est bon, il a quiché. Tant mieux, tant mieux. Pour lui. On s'approche du printemps là. Ouais, voilà, c'est cool. Y a une loi qui va passer encore là. Donc là, on veut la forge, mais la forge, c'était. Ça, on faut déjà qu'on. Ah, mais des milliards de ressources. Ouais, 12 bois et 6 fer. Là. J'attends le retour des vers là. Parce que je crois qu'ils peuvent faire ouais, ils peuvent faire des engrenages. Cool. Cool. Alors, les tours, le district des soldats fournissent le double de DPS. Ça pourrait être bien, mais bon, je n'en ai pas. Les citoyens de désormais que. À prendre ça, mais bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas de tour, donc. C'est pas super utile. Et pour traiter du coup avec eux, il y a soit ça. Les constructions hostiles. Ah mais ils sont pas hostiles, ils sont indifférents. Ah mais ça compte comme... Waouh, c'est fort. J'avais pas capté ce détail là. Ok, donc en gros...
En gros, apparemment, si tu demandes deux emplacements, si tu mets un truc avec une phase 2, ça compte, ça remplit les deux directs. Cool. Oh, toujours, hein, de toute façon. Ah mais il m'en faut deux. Oh bah attends. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, cool ça. C'est bon à savoir ça, donc ça sert vraiment de renforcer les. C'est vraiment utile de renforcer les faces quand même. Palam palam. On suit où là? Mais non, mais je suis con, ça fait déjà que j'aille là. Autant qu'à faire, hein, vu que j'ai des points, hein, autant. Merde, il y a une attaque là. Attends 2 secondes, Jean-Michel, avant de m'attaquer, s'il te plaît. Vraiment que je le soigne lui parce que. C'est un petit peu critique quand même. Du coup, on a dit qu'il faut que je construise la forge, mais la forge, il me faut. Ouais, voilà. M'en faut 6. Ouais, putain. Bon, j'ai ce qu'il fallait pour. Je vais attendre que les dés arrivent, non? Pour plus de chances d'avoir. Attends, en plus, il m'en faut 2 là. Voilà. Ouais, pourquoi pas.
Encore? Mais arrêtez alors. Ouais, j'ai dit qu'il faut que j'aille. Hop. De faire une île là aussi. Ouais. Vénère pour 100. J'avais pas vu, mais il était énorme là en fait. Hop, je vais m'en garder un. Hop, de la bouffe. Pour construire la forge, une fois que j'aurai fini de récolter là. Ah, putain, il me faut deux, c'est bon, j'en ai deux. Ok, alors la forge. Bim. Alors, il en faut deux. Corne. Ah mais il était blessé. Tiens. Hop. Alors forger un dé face à des focaux, il faut de l'or et du fer. Hop, hop. Deux ensemble pour un putain de défaçonné. Alors du coup on fait quoi ensemble? Voilà, ouais. On va voir ce que ça fait. Hein. En tout cas, cette première mission est quand même relativement longue. Hein. Ok. Alors. Ah, et ça me gratte les nez. Alors, les défaçonnés sont les dés spéciaux créés à partir d'autres dés. Ouais, c'est. Ouais. Tchoum. Ah, ouais, merci. Ah,
Je pense que ça aussi le tuto là, mais. Alors, donc les dés façonnés sont les dés spéciaux créés à partir d'autres dés. La puissance maximale d'une phase dessinée est de 8 au lieu de 4. Ah. Les dés peuvent avoir jusqu'à 2 attributs. C'est généralement reçu une expérience réalisée en bâtiment avec la forge. Consommer les dés pour créer un dés façonné augmente l'insatisfaction des classes auxquelles les dés sacrifiés appartenaient. Ok. Attributs sont de puissantes propriétés contre certains dés. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Ok. Donc c'est sûr, mon dé façonné alors. Voilà. Lorsque la durabilité tombe à 0, utilise la durabilité d'un autre dé. Ok. Et du coup, ce dé-là, donc il y a des engrenages à bloc, de la récolte, machin, mais il a plus de combat aussi là. Enfin, des paysans, parce que j'en ai plus beaucoup là, au final. Ah, j'ai envie de tester avec avec des verres. Hein. Ah non, mais non, j'ai attendu que. Ouais. Ouais, là, a priori, la forge, c'est au pif, quoi. Voilà. Parce qu'après, t'as le laboratoire qui extrait 6 faces de 6 dés pour former un dé façonné. Donc là, j'imagine que tu peux plus faire ce que tu veux. Merde, il est blessé, lui. 4 combats! Waouh, mais t'es. Comment je vais faire ça, moi? Mise à tous les effets, ok, super. 36. Vas-y. Non mais. Ok, ouah, mais ils ont blessé à bloc en fait, quoi. Putain, la bande de pierre, ils ont fait mal, là. J'aurais pas dû prendre lui, mais c'est pas grave. Et du coup, mon dévers, il fait quoi celui-là? Ok. Moi, du coup, j'ai plus d'objectif direct alors. À chaque fois que tu lances les dés, ils perdent 1. Et quand ils arrivent à 0, ils meurent. Et pour remettre des points, t'es obligé d'aller les soigner ici, en fait, dans l'auberge. Mais ça te coûte de la nourriture à chaque fois. Non, quand tu relances, ça compte comme si tu l'avais utilisé. C'est pour ça que t'as tout intérêt à verrouiller les dés si tu veux pas les relancer pour éviter de les épuiser, quoi.
Il faut deux. Et puis là, le truc, c'est que j'ai plus rien pour soigner, quoi. J'ai plus d'armes. Chercher des armes. Le problème, c'est que là, on va arriver à nouveau en hiver, donc ils vont à nouveau geler. Ah, trouve la source d'attaque! Merde, c'est écrit en gros ici le but du truc là. Ouais, depuis le début, il y avait des trucs ici, et là, ils l'ont mis de l'autre côté. Ouais, tant pis, j'étais obligé de le soigner, lui. Il faut deux. Ouais, non, mais je suis con. Ouais, c'est ça, c'est bizarre que d'un coup ils mettent. Alors après, j'imagine que ça c'était le tuto et ça c'est en l'objectif principal, quoi. Ouais, faut que j'envoie les. Allez, fais-moi ça. J'ai besoin de quoi en priorité là? Le bois, hein, toujours, hein, de toute façon. Alors du coup, on a quoi là? Terrain de chasse, mine de pierre. Ah, campement inconnu. C'est de là qu'ils viennent les blaireaux là? Identique. De fer, forêt. Dommage, j'ai une perte des paysans.
comme d'hab, de toute façon, hein, du bois. Hein. Peut-être des points à mettre là-dedans en fait, en armée il y a quoi? C'est la tour là, ouais. Après ouais, on peut augmenter la puissance dans la forge par exemple. Ouais, on peut augmenter la durée des générateurs de vapeur, d'accord, ok. Ouais, donc à terme, ça peut être assez long. Enfin, assez long. Ah, c'est bien ça aussi, hein, la régie de district. Ok, donc un paysan. Mais j'ai pas vu lui. Ah merde, il était blessé, j'aurais peut-être dû mettre l'autre en fait, j'étais un peu con là. Ah, j'ai des herbes, je vais. On va le soigner lui. On va le soigner, on va le soigner. Tac. On va attendre qu'il arrive pour l'aider. Quoique, je peux peut-être soigner lui aussi en. Là, ils sont nombreux comme les ennemis, ils arrêtent pas quoi. Et où Jean-Michel là? De soigner, toi.
Ah oui, mais on fait plusieurs là. J'ai eu de la moule de tirer une épée sur un truc. Ah, il était blessé lui. Tirer le fer dans les mines. Faire ça, c'est vrai que les prix, il n'y en a pas beaucoup donc. Encore? Non, mais ça va quoi. Cinquante secondes. Ah non, j'aime pas assez. Ah, j'espère qu'il va pas mourir, on verra. Ça. Ah, il était gelé. Oh, c'est la merde. C'est complètement la merde. Ah bah là c'est Ouais, faire créer un bâtiment quand même. De chance, hein. Puis Dieu plus ensuite il s'est éteint, ouais. Bon, du coup, normalement, c'est bon, on peut créer un machin là. Et on fait quand pour aller leur péter la tête? Oh putain, il y en a encore qui arrive là. Ah, il faut du fer. Hein. Il y a moins que ça déjà un jour ou pas du tout, c'est il faut quoi? Il faut deux, bah c'est mort, je peux pas faire deux. Là même avec la meilleure volonté, désolé, mais on ne peut pas faire deux là. Ah, l'été commence. Je vous. Ah. Ouais. Blessé la maladie. Ah, c'est pas mal ça quand même. Mais encore? Non, mais c'est une blague. Il y a une prairie quelque part. Ah merde, il y en a une là, mais elle est. Elle est dans mon royaume.
Ah ouais, mais c'est les constructions étrangères, du coup, je peux même pas. Ouais, si je peux arnaquer comme ça, quoi. Mais les mecs, ils veulent vraiment faire la bagarre, quoi. C'est un. Ils arrêtent plus, quoi. Ah, on peut le prendre deux par deux, c'est rigolo ça. Chier alors. Et puis là, du coup, il va me faire un éclair, évidemment, j'en ai plus. Mais arrêtez, sérieusement, quoi. Là, je suis en train de me faire. Ça, c'est le moment où le jeu il dit, bon, écoute, t'es bien amusé, mais à un moment, il va falloir mourir. Ouais, je voulais faire un camp militaire moi tout à l'heure aussi, ça je voulais faire un. Ah bah là j'ai l'impression que le moment où faut pas que ça dure trop, il est arrivé, hein, parce que. On est d'accord que là, il m'attaque en boucle, hein. Putain, mais ils en revendent encore, quoi. Ouais, c'est non-stop, quoi. Donc là, il me faut les explorateurs pour les trucs là-haut. Dans le blizzard, je suis refait. Oh non, il est mort. Ah, quand même. Non, mais là, c'est injouable en fait. Il va me le dire qu'à un bout d'un moment, on reprend des attaques and stop. Il va me dire que c'est en dehors de. Non? Ah, mais il faut y foutre le feu! Ah, d'accord, c'est à ça que ça sert. Ah oh, non, mais là c'est. Yabrodaf! Non, mais là je ne peux plus rien faire, là. Là, c'est juste plus possible, quoi.
Genre soldat, je suis content, mais en même temps le soldat, le mec, il est seul contre la terre entière là. Et puis là, il faut 3, donc laisse tomber. Faut que j'ai au moins 3 soldats. Ah, en même temps, 3 soldats, ça peut éventuellement se faire. Ouais, c'est ça, ils se sont dit, bon, allez, il devrait pas trop loin de minuit, on va boucler là. Sans pouvoir faire que les soldats, on va les défoncer, et puis c'est tout, hein. Je dis ça, mais... Ah, mais l'autre il est blessé quoi, s'il te plaît. Une flèche dans le genou quoi. Attends, bim, bim. Toi, faut absolument que je te soigne par contre. Armée, il y a quoi? Ah, même 50 points pour ça marche. J'avais pas fait un truc. Ah, mais du coup, j'ai même pas fini ça. Tellement j'ai été à deux de combat. Bah allez les mecs, hein, on y croit les PU. Hop, hop. Voilà, bien joué. Alors maintenant que je veux... Et voilà, on va tout cramer. J'en ai plus rien à foutre. Ah merde! Pourquoi on peut plus? Ah mais parce que avec la machine... Ah ouais... Merde. Vu que j'ai plus la vampiresse militaire, je peux plus interagir avec ça. Oh non, c'est la loose. Mais calmez-vous bien, vous. Mais il faut encore un. Un quoi? Ouais, j'ai perdu la tour à côté, ouais, relou. Relou, relou. Ah non, mais attends, il faut que j'ai de la...
j'ai dû faire. Autant on va te soigner quand même parce que. Ah, mais j'ai pas assez. Ouais. Merde. Le problème, c'est que là, après, il y a de nouveau l'hiver qui va arriver. Ça va être trop la merde. Allez, allez, on se bouge là. Hop, ok, c'est bon. Bim, bim. De combat, pardon, c'est bon, c'est de combat, vas-y, hein, crame ce que tu veux, je réparerai. Hein. Ça va me faire chier, moi. Bon. Putain, mais ça arrive encore. C'est une série personnelle, ils vont nous tomber dessus, toute leur force. Ouais, mais ils se sont fait blesser en plus. Ah ouais, guerre. De combat, ouais, bon. Allez. Mais bon, c'est un peu la misère parce que je pense que je vais me faire complètement retobroyer, mais. Quatre de combat, ouais, voilà, donc là il y en a deux qui sont morts. Mais putain, c'est chaud quand même de se prendre des vagues d'attaque en permanence là. C'est sympa avant ça, ouais, c'est. Puisque là, ça allait. D'un coup, le jeu s'est bien énervé.
En plus, maintenant, il y a l'hiver qui est là, tant qu'à faire. Ils ont directement défoncé le truc, ok. Bah, l'épidémie, ça peut arriver parce que eux, ils peuvent apporter du. Voilà, eux, ils peuvent péter un bâtiment, mais il y en a certains qui apportaient des maladies ou des trucs comme ça, quoi. Donc, non, t'inquiète pas, c'est prévu. Il y en a qui mettent le feu, d'autres qui pètent les bâtiments. Voilà. Donc, eux, ils vont péter le bâtiment, quoi. T'as pas assez de problème. C'est vrai que là, c'est un peu. D'ailleurs, là, dans 8 secondes, il est pété. Comme ça, je pourrais même plus soigner mes mecs. Ah non, c'est. Est-ce qu'il m'a pété en vrai? Ah, ils m'ont défoncé les deux champs en fait. Ça, j'ai plus de champs. Ah, ça, c'est encore une construction étrangère, ça. Le problème, c'est que ça fait pas. Ah, il faut 5 de pillage pour un. Attends, encore moins de grillé, merde! Eh ben, on va. Il faut que je le spawn parce que. J'y crois mort. Ça va passer, c'est évident. C'est alarme. Alors c'est une clé presse que j'ai en fait. Oh putain, il a gelé. Il a gelé, il a gelé. C'est combien de pillages? 4, c'est ça qu'on a dit. 5 même. Waouh. Compliqué. Compliqué, compliqué.
j'en ai combien? J'en ai un, deux. J'en fasse trois autres, donc j'aurai assez en... avec le fer. Du coup, qu'est-ce qui me manquera le plus? Ouais, faut que je crée des mecs, hein. Non, je pense pas que ce soit spécialement connu, hein. C'est a priori, c'est un petit studio, enfin j'ai pas l'impression que c'était Bah, il sort demain de toute façon, donc moi je l'ai vu passer vraiment complètement par hasard, quoi. Mais c'est vrai que oui, Bah, après oui, j'imagine que les gens qui sont intéressés par le jeu, ils doivent regarder un peu ce qui se passe actuellement, quoi, mais... La zik, elle est cool aussi en fait. C'est vrai qu'on l'a pas parlé depuis le début là, mais elle est vraiment pas mal. Hein. Bon, ça fait le taf quoi. Elle est pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une boucle qui soit trop courte et tout. C'est reparti pour les emmerdes. Hein. Ah voilà. Donc toi, eux, par exemple, ils veulent mettre la maladie quoi. Lui, évidemment, il était blessé. Ouais, franchement, pour l'instant, j'aime bien. Hein, j'aime bien. 11 sur 12. Vas-y, mon gars, fais-moi un petit soldat, là. Putain, encore. Mais par contre, clairement, c'est l'envie d'y jouer en pacifiste, hein, parce que... Le nombre d'attaques... Ouais, mais c'est pour ça, je trouve que la musique, c'est toujours compliqué, et là, elle me... Bah, vu que ça m'a pas choqué, en fait, c'est que... Bah, c'est que j'aime bien, quoi, enfin... J'essaie de le soigner, lui. Quoique. J'essaie de les garder comme ça, eux. 11 sur 12, donc je peux générer encore. Je peux en générer un. Quoi, ils sont deux? Allez, s'il te plaît. Voilà, et du coup il est gelé. Relou. En fait, c'est que j'ai pas envie de. Ouais, j'ai pas envie de prendre le risque d'en perdre un, quoi. Ah, j'étais obligé, fais chier. Bon, ça passe. Donc il me manque encore un dé. Bah tiens.
Ok, donc là j'en aurais 5 de. J'aurais 5 soldats. Et après, par contre, il faut que les planètes s'alignent pour que les 5 fassent flambeau. Et que j'aille cramer le campement qui est là-haut. Mais c'est vrai que ça reste vague quand même, hein, le trouver la source. Hein. De combat, vas-y mec. Hein. Boum. Après, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui seraient cool à faire, hein, mais... Ah bon. Là, j'espère surtout que la fin d'hiver approche. Ouais, après, donc encore une fois, hein, t'as vu que c'est une clé presse, le jeu il sort demain. On peut imaginer que le tuto sera un petit peu plus sera un peu plus costaud pour la release quoi. Ah, fait chier, c'est que lui quoi. Oh, ça va. Si, si, c'est là-haut l'indicateur de saison. On est au milieu de l'hiver. Après, ouais, c'est vrai que je pourrais aussi jouer avec la forge, avec le truc là pour renforcer aussi. Tu sais que j'avais fait un petit peu au début et depuis je m'en suis pas servi à de la forge. Non, ça avait l'air quand même vraiment fort. Hein. Bah ça quoi là c'est et le pire c'est qu'en plus il y a 5 niveaux de difficulté et là c'est le deuxième quoi donc alors après c'est parce que j'ai mis trop de temps et que du coup je lui ai dit bon bah voilà t'as mis trop de temps faut mourir maintenant monsieur. On va arriver en été là, c'est cool. Hop, comme ça va dégeler, comme ça je vais faire 5 flambeaux et je vais aller tout cramer par là-bas.
Mais par contre, on fait peut-être genre créer comme un champ de blé quand même, ça pourrait être pas mal en vrai. Ah mais ils ont pété mon machin là, non? Ouais, on se peut, on va le faire là. Là. Encore? Un seul. Alors, les dés sont immunisés au gel quand on les utilise dans les districts paysans, ouais. Quête de savoir. Ouais. Quête de savoir, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec quête de savoir? Ça, mais en vrai, allez, hop, bam bam. On veut quoi? On veut ouais, du fer, ça peut être pas mal. Peu de pierre. Ouais, mais en fait, faut que je fasse ça. Allez, on s'en fout, on se fait attaquer. Quoi, en dehors de notre territoire? Ah non, là, putain. J'ai failli râler, quoi. C'est rigolo comme ils empilent les dés. Eh ben, bah, on va péter ça, mais. Et du coup, voilà. Maintenant, je peux être une régie de district là-haut, quoi. Bon, ils ont tout pété là, malheureusement. Mais bon, tant pis. Hein. Ah, mais il y en a encore qui arrive là. Deux de combat. Ouais. Ah merde, il est marrant. Dommage. Dommage, dommage. Donc il faut deux de construction, évidemment, aussi. Je suis peut-être arrivé jusqu'au bout du truc en fait. Hein.
Alors, au-delà de la bombe se trouve une ville étrange. Les bâtiments y pourrissent, c'est sans ce point de s'effondrer. Les bâtiments errent enfin bien la rue. Alors... Oh putain, il est mort aussi lui. Pff, la ville est bâtie autour d'un port. L'un de nos éclaireurs nous rapporte que de grandes suites d'Europe s'y rassemblent souvent. Peu importe l'intention, il est clair qu'ils vont pas mettre fin à leur attaque. Peut-être arrêter à tout prix. Arrêter les autres. Ah mais d'accord, il fallait tout péter ça là-haut. J'en ai pour 10 ans là. Ah mais attends, il... Ah c'est marrant, t'as vu, la zik elle est toute ralentie dans... Mais 4, je peux pas, se fait... Ah non, mais là... Ah, c'est du coup pour les péter, il va falloir que je construise des bâtiments, que je ramène des... Que je ramène des casernes, et ainsi de suite, quoi. Ça va me prendre 10 ans, en fait, quoi. Ouais, je pensais que j'arrivais vers la fin de la mission, mais pas du tout, quoi. Bah, c'est un peu l'idée, ouais, parce que là, honnêtement, on a encore pour, je pense, facile 2 heures, hein. Ouais, j'ai pas le truc, mais le problème c'est qu'il va falloir que je... Bon, ouais, si, ouais, on peut avancer rapidement quand même, quoi. Attends, je sais pas qui meurt non plus. Il va falloir, je pense, du minerai de fer. Hein. Ouais, c'est ça qu'il faut que je pense à... Je pourrais upgrade mes trucs, quoi. Là, je pense que je l'ai pas fait assez, ça. Je l'ai fait un tout petit peu au départ, là, de booster, mais... Je pense que ça, c'est tout. La chambre d'amélioration, à mon avis, rien que ça peut être pas mal, quoi. C'est la chambre d'amélioration... Ça augmente deux phases de 1, donc c'est... Ah, on n'a plus besoin d'herbe, c'est énorme ça. Bon, ça coûte très cher. Et en plus, ça restaure ouais, la durabilité. Ouais, ça demande quoi? Ça demande de l'or et des herbes. Hop, allez, vas-y. Ouais, c'est sur un cette espèce de disque, pas de donut, quoi.
Après, c'est peut-être pas si long que ça, parce qu'en vrai, je vais peut-être pouvoir aller cramer les trucs dès qu'ils vont être là, mais... Ah ouais, mais attends, mais il faut la blinde de trucs, quand même. 8 de combat, 2 de combat ici. Ouais, donc ça... Ouais, si, quand même, quoi. Genre 8 de combat, au secours, quoi. Ouais, faut vraiment que je renforce mes dés de soldats... Ah si, on enfin, m'a renforcé le truc pour foutre le feu. Ouais. T'as mis là 8, c'est un... Ouais, c'est reparti pour les attaques. Hein. Et du coup, ils vont essayer de péter ma régie, évidemment, quoi. Alors heureusement, même s'il pète ça, apparemment ça baisse pas mon territoire, quoi. Ouais, ils sont en train de péter toute leur régie, donc on... Je perds le temps. Ah bah j'ai rien dit. Ouais, ça fait bizarre aussi que ça me pète pas mes trucs, mais... Et du coup, ça reste là quand même. Je peux quand même attaquer les... Sept, ouais, non, mais là... Et ils font comment pour en faire autant, là?
Sans 7, je préfère faire un... pas se mentir. On pétait quoi? On pétait à fort. Genre. Ah, ils vont y mettre le feu. Ah, je peux piller. C'est quand même pas très sympa, mais je pourrais. Ouais, je vais faire la technique d'Armanin, je vais essayer d'être pote avec la police. Ah, évidemment, un soldat gelé, ça en serait pas rigolo. Quand c'est tout de me faire chier là. Et puis en fait, il faudrait presque que je laisse mourir au moins un verre en fait, parce que ça me prend de la place et je sais pas comment faire des verres.
Ah bah enfin quoi. Non, faut quand même que j'arrête d'avancer, enfin de. Mais ça, il a bien tenu quand même mon gars. J'ai essayé plusieurs jets avec une probabilité basse. Avec 4, je peux les bloquer en vrai. Ils ont été blessés tous les deux, mais sérieusement, mais c'est des peintres. Hein. Ouais, non, pas j'étais con, c'était un 2. J'ai dû faire ça. Non, mais je suis n'importe où. Ah, on peut aller jusqu'à 0, je sais même pas. Pensais que ça explosait avant. Ah, ouais, voilà. Pas cool ça. Ah mais c'est les paysans qui sont pas contents. Les bâtiments peuvent prendre feu. Ah mais c'est pas bon ça. Mais pas content, pas content les mecs. Pas grand chose en vrai. Oh purée. Allez, sois pas relou, s'il te plaît. Merci. Et il gèle dans la foule. Non, magique. Jeu de combat. Merde. Non, mais c'est pas ça que je vais faire.
jusqu'au milieu de l'hiver, quoi. Dix, douze. Avec alignement des planètes, on peut monter jusqu'à 12 en dégâts, là. C'est pas mal ça en vrai. Quatre, c'est compliqué, quatre. Ouais, ils vont péter un bâtiment. Ah, mais les dégeler, c'est vraiment horrible. Je préfère faire contre ça. Donc... Allez, encore un que je l'ai, 3 non. Il peut pas faire bah, tant que lui il est parvenu, je peux pas. Oh non! Oh putain, il va me péter ça quoi. Moi, j'ai la moule de faire un double attaque.
Mais bon, il était blessé, chier. Bâtiment qui crame encore. Allez, c'est bon, c'est la fin de l'hiver là, refilez-moi mes dés quoi. J'ai encore un truc qui craint. Bonjour, est-ce que l'été est là? Enfin, le printemps, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait pas mal quand même. Alors. Faut encore faire la gueule du coup. Non, soldat blessé, ça serait pas rigolo. Ok, alors je le rouille celui-là. On va faire des trucs là. On va te soigner. Il faut combien on a dit? 8. 8 c'est non, 2. Ouais. Attends, il y a quoi alors? Ah, mais il y a des. Ah, mais il était blessé lui aussi. 4 de combat. Refaire finalement l'hiver c'est pas si mal, ça les bloque un peu quoi. Mais j'ai mal compté en fait, il m'en manque. Ouais, ils sont deux.
Ouais, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va être super long parce que. Genre, il faut que je tape les autres. Si on parle des gens, il va falloir que je commence à reformer du bois, reformer plein de trucs. J'avais pas eu peur, elle, quand même, la déjà, en fait. Quatre. Envoyer des malades. Oh, c'est horrible. D'accord, marrant. Ouais, mais du coup, le petit cœur, je les passe. Ah, si, le petit cœur. Ah, si, ça soigne des malades aussi. Quatre. Ouais, voilà, puis il y en a qui est mort. Ils m'ont pété mon truc. Ah ouais, merde, j'ai même pas vu. Ok. Donc là, j'ai plus mon petit pied à terre que j'avais par là. Oh, je vais faire sauvegarder et quitter, je pense, hein. Parce que c'est quand même méga long. Enfin, là, il est déjà 1h du mat, surtout, ça fait quasiment assez 3h30 que je joue. Ben ça, il va y avoir quand même pas le scénario différent, hein, mais donc là, dès l'exalté, c'est dit que je vais pouvoir forger et après. Mais en tout cas, vraiment cool. Enfin, j'ai bien aimé. Alors, le rift est peut-être un petit peu lent. Après, en même temps, c'est 9. Enfin, j'aurais pu aussi avancer le temps à droite, hein, pour aller plus vite. Par contre, il y a quand même pas mal de mécaniques à comprendre, à bien assimiler, à bien gérer en parallèle, etc. Et puis surtout, ouais, je pense que j'ai fait des mauvais choix à certains moments. Mais bon, voilà, je pense maintenant j'ai bien compris comment fonctionne le jeu. Par contre, vous voyez vraiment le syndrome Settler dans le sens où bah, la moindre action, ça va quand même prendre du temps, quoi. Surtout à la fin, quand il faut que tu ailles taper les gens, et ça demande tellement de préparation, d'avancer petit à petit, etc., que ouais, ça peut être vite très très long, quoi. Et l'hiver, c'est très punitif, quoi. Alors après, je pourrais mettre des bras zéro, les trucs comme ça, mais en termes de ressources,
termes de ressources, c'est vraiment long. Hein. Ouais, le tuto, il y a pas grand chose pour l'instant. Ouais. Il te file des indications et puis tu comprends une fois que tu les as posées ce que ça peut faire ou ce que ça aurait pu faire. Et je pensais vraiment qu'il y aurait un premier scénario assez court, juste pour apprendre un peu les bases, quoi. Mais bon. Mais en tout cas, il a l'air très intéressant, quoi. Il va falloir que j'y passe beaucoup plus d'heures, mais à première vue, ça paraît bien cool. Bon, allez, du coup, des bisous, bonne nuit. Demain étant de midi, je vais streamer normalement un jeu que je retrouve dans la bibliothèque. Ça s'appelle Spectrum Retreat. C'est du puzzle game, a priori. Enfin, un jeu un peu de réflexion. On verra. Et demain soir, du Deep Rock, je pense. Allez, bisous.